Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un frelon asiatique. Je suis chez une cliente qui s'est fait piquer sur la main en taillant sa haie et il y avait un nid de frelon asiatique. Donc je vais vous montrer ça. On va poser ça là. On va y aller discrètement. Allez, je vais vous montrer ça. Vous voyez la poubelle ici? Vous voyez la petite poubelle là? En fait, le nid de frelon asiatique, il est dans cet arbuste. Donc, elle vient jeter ses déchets dans la poubelle et s'est dit, bon, mais l'arbuste, il prend de la place, je vais le couper un petit peu. Et donc, il y a un petit nid de frelon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra, je ne vais pas m'approcher parce que je n'ai pas encore la tenue, mais il est juste là. On va essayer de s'approcher un peu. Donc vous voyez, le nid a été un peu cassé, puisqu'elle a taillé avec un taille-haie, donc elle a fait un peu tomber. Et elle s'est fait piquer juste une petite piqûre sur le pouce. Bon, cette dame résiste bien à la piqûre, donc tant mieux. Elle n'a pas eu d'effet secondaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller et je vais traiter ça. C'est parti pour le combat. Allez, on va aller regarder ça. Vous voyez la petite poubelle, vous êtes là en train de jeter vos déchets. Et vous passez là pour sortir. Qu'est-ce qu'on voit? Le nid de frelon. Ça reste un endroit assez dangereux. Donc la dame a taillé la haie. Et bon, elle a eu quand même un peu de chance. Donc j'ai l'impression que le nid est détaché. Donc on va voir si on peut le récupérer. Non, il est accroché encore. Ouais, vous voyez, ça sort de suite. Hein. Vous voyez, ils ont fait une forme bizarre. Ils ont quand même essayé de le réparer. Donc de suite, vous voyez des attaques. Là, il y a une énorme attaque. La vidéo est terminée, vous voyez, on fait 2-3 minutes de traiter, j'ai quand même encore des canaux qui me tournent dessus, donc ça reste très dangereux, je ne le fais pas vous montrer.